fait. La parole à Coluche. Alors, c'est l'étonnez-moi, qu'est-ce que je fais là? Mais non, mais c'est toi justement qui dois provoquer une surprise, un étonnement, ah oui. Parce que moi, j'avais prévu de te faire chat et de me tirer. Je veux dire, bon, mais... C'est bien comme étonné, ça t'aurait étonné, quoi, c'est que je veux dire. Ça si je te fais chat et que je me casse, ça fait étonné. Bon. Oui. Ah non, allez, Coluche, t'es sérieux, là. Parce qu'il y a quand même des sujets d'étonnement dans ta vie en ce moment. Oui, qu'est-ce qu'il y a pas, bah, par exemple, lundi. Lundi, à quelle heure? T'as un nouveau métier, lundi. Lundi, j'ai un nouveau métier, oui. À 16h. Lundi, je vais avoir le privilège d'avoir la possibilité d'envisager l'éventualité d'être viré de la radio. Oui. J'ai déjà été viré de la radio, mais j'avais jamais été engagé encore. Ben là, là, au moins, tu t'es engagé. Je me suis déjà fait virer quand j'étais fan. Ouais, dis donc. Quand j'étais fan, que je venais, on me disait, non, on peut pas, avec le pied. Là, non, on peut pas. T'es viré de la radio déjà. Maintenant, je suis engagé. Ben, c'est quand même étonnant, ça. Lundi, ben, il sera quoi? Il sera 16h sur Europe et tu vas débuter une émission. À 15h30. À 15h30, c'est ça, oui, pile. C'est pas à 15h30? Bon, on m'a changé l'heure. Appelez-moi le gérant. Ben, le gérant est dans les couloirs au-dessus. Ben, on peut pas aller chercher. Il est parti à cette heure-là, maintenant. Alors, mais, ils arrivent à 11h, ils partent à 4. C'est ça te plaît de faire ce métier? Tu penses que... Moi, j'en ai croisé un gérant en venant, mais c'est parce qu'il était perdu. C'est parce qu'il s'était paumé. Normalement, ils sont partis à cette heure-là. Oui, d'accord. Non, mais dis donc. Et ça va s'appeler, on n'est pas là pour se faire engueuler. Ça va s'appeler, on n'est pas là pour se faire engueuler. Et c'est exactement vrai. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire que j'aurai le droit de dire absolument ce que je veux, de qui je veux. Et personne n'a le droit de m'engueuler. Bah ça, c'est formidable. Dans la maison, en tout cas. Mais alors, mais techniquement et tout, tu fais un peu de training et tout pour parler dans le poste ou pas? De training, c'est quoi ça? Bah, je sais pas. C'est du sport. Est-ce que tu vas dans des studios pour, par exemple, je sais pas, annoncer des disques? Ah, je peux te le faire, oui. Ah, tu pourrais le faire. Pour faire la radio, c'est pas dur. J'ai vu le directeur, il m'a dit, c'est pas compliqué. Tu t'assois sur une chaise, t'as un micro, et alors, tu commences par dire bonjour poliment, et tu déplaces les virgules. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de ponctuation, tu peux parler une heure. Tu vois, il n'y a plus de ponctuation. Et alors, le plus important à la radio, c'est de donner l'heure. Ouais. Parce que ça, les gens n'ont pas tous l'heure, alors qu'ils ont tous la radio. Et d'autre part, il faut dire, voilà, il faut savoir, le test, c'est de savoir dire l'heure et dans le mouvement d'annoncer un disque. Voilà, alors par exemple... Eh bien, vous êtes sur Europe, il est 9h12, voici Sheila. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. Et tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République.